Hello gamers, c'est ZDAP99 ou Supergame 3000 et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Red Dead Redemption où on va faire un petit Wanted. Le Wanted se trouve là-bas, d'ailleurs si je veux je peux me mettre à buter des gens là qui sont en bas. Par contre pas avec mon pistolet GP puisqu'il me reste qu'une munition. Et je me servirai de sa dernière munition pour tuer le dernier bandit qui arrive à la bande de bandits. Même si je vais quand même essayer de ligoter le bandit 1, donc c'est parti mon kiki. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors là, moi ce que j'aime bien, vous voyez, c'est me mettre à buter les gens avec mes poings. Le problème c'est que si j'essaie de bastonner un policier avec à main nue, il va quand même vouloir me buter. Alors que si je fais une personne normale, ils vont en avoir rien à foutre. Normal. Donc là, je adresse les poules hein, comme Link dans Ocarina of Time. On adresse les cocottes. Allez, meurs. Mal. Bref, s'en fout. Donc c'est parti pour le petit Wanted. Maman. D'ailleurs, attendez, je vais vous parler après. Là, pour l'instant, je vais prendre le Wanted. Je vais juste prendre à combien il est. 200 euros vivant, 100 euros mort. Ok, c'est mort, je vais prendre vivant. Alors sinon, il y a un petit défaut quand même dans la version multijoueur de Red Dead Redemption. Par exemple, on est à un endroit. Enfin, je sais, c'est un petit peu hors sujet, mais bon. Pendant que j'y suis, puisque j'ai rien de spécial à dire, je vais dire ça. Ce qui est saoulant, vous voyez, c'est un des plus grands défauts du jeu. C'est, par exemple, on est à un endroit, on est à cheval, et on fait tuer. Et soit on va se retrouver... Et la plupart du temps, on se retrouve genre à 300 mètres de là où on était. Attendez, je vous arrive où il est le bandit. Où est-ce qu'il est? Punaise, il est loin, c'est pas grave, je vais faire le trajet à pied. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Et sinon, ce qui est saoulant, vous voyez, c'est... Surtout que le design est assez beau. Mais ce qui est souvent, par exemple, après on est téléporté assez loin de où on était quand on se fait tuer en multijoueur. Et vous voyez, encore quand on est à cheval, c'est assez rapide, vous voyez, de traverser la map. Même si elle est assez grande, mais c'est plus rapide quand on est à pied. Quand on est à pied, on prend des heures. Limite. Enfin, peut-être pas des heures, mais pas mal de temps. Et puis donc, en plus, quand on appelle notre cheval, il prend hyper longtemps à venir. Et ça, c'est ce qui me saoule assez souvent en multijoueur. Attendez. Pouvez-vous m'aider? Oh, évidemment. Je me fais toujours avoir par ça. J'en fous. Hein. Les mecs comme ça, ils crèvent. Starfoula. Attendez, je veux juste fouiller le mec. Donc voilà, c'est ça qui est assez saoulant en multijoueur. Hein. Mais bon, pour rien y faire, c'est comme ça. Après, c'est pas non plus un grand défaut atroce. Ce jeu reste quand même génial. Mais bon. Puisque j'avais rien à dire, je me suis dit, tiens, ici, j'allais dire ça. Ah, j'ai gagné que 6 dollars. Je sais pas pourquoi, mais comparé à moi, tous les gens du monde sont pauvres dans Red Dead Redemption. Bon, par rapport à ce qu'on a, bon, empêche, après moi j'ai pas du tout beaucoup d'argent hein. j'ai que 207 dollars alors qu'avant j'en avais dans les 4000, parce qu'en fait en beau jour, qu'en fait là vous voyez je suis encore dans ma partie hein, où je suis en bandit, mais exprès pour la partie et ben j'ai décidé de donner ma lettre de grâce, vous voyez, pour plus avoir de primes contre moi. Donc attendez juste passer un repère. Mais ce qui fait du coup en fait un beau jour, j'ai été ramené en prison donc. Et ce qui se passe en fait quand on va en prison, c'est qu'après on perd tout notre fric. Mais bon, encore je peux toujours m'amuser à dévaliser des banques. Hein. C'est ce que je m'amuse à faire parfois. Retrouver le shérif près du chariot cassé. Je ferai ça après. Après, je ferai ça plus tard dans le futur. Hein. Pour l'instant, je vais tenter d'aller battre le bandit. Peut-être, vous savez quoi? Parce que vous voyez, faire un one test, c'est plutôt rapide, quoi. Donc je pense qu'après, je vais faire cette petite mission, là-bas. Et après, donc, on s'arrêtera, là. Ce sera juste une petite vidéo détente, on peut dire, quoi. Pour se détendre, hein. Alors, là. Oh, punaise, ils sont tous là. Ils m'ont toujours pas vu. Je vais tenter de me les faire au couteau. Oh, les handicapés, ils m'ont toujours pas vu. Bah vous savez quoi, je sais ce que je vais faire. Je vais me barrer et je vais essayer de tous les sniper avec mon sniper. Ou je veux dire plutôt mon fusil de précision. Je vais leur tirer des belles petites babales dans la tête. C'est mignon. Vas-y, par contre, je les aperçois plus à cause de la colline. Ah si, là, il y a un mec là. Il est où? Ça, ils vont tout venir, mais tous les sniper par un. Il est moulu. Ah non, il est toujours pas mouru. Bon, celui-là, je vais me le faire au fusil. Hein. Allez, tu mourras, mouru. Oui, tu vas mourir, mouru. Normal, hein.
Donc c'est vrai que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos en solo comme ça de RDR. Faudrait quand même que j'essaye de faire des headshots aux gens. Et souvent, en fait, vous voyez, souvent ce qui se passe, en fait, c'est que je monte pas suffisamment le curseur. Et donc ça fait que au lieu de lui faire un headshot, je lui fais soit un chapeau de chat en montant trop le curseur. En gros, attendez, au pire, je vais parler après parce que là... Voilà, sans froid. Allez, qu'est-ce que t'attends, toi? En gros, soit je lève trop le curseur et puis à la place, je leur vise le chapeau. Soit je lève pas assez de curseur et à la place, je leur vise le torse, hein, évidemment. Quand on se tirait dans le torse une balle dans le cœur, on est toujours vivant. Ah, il est normal. Non, mais n'importe quoi. Bon, ça, moi, je transporte la victime et après, j'essaie d'aller faire la petite mission qu'il y a à côté. Alors là, mon petit cheval, il est mignon. Il s'appelle Jean-Claude. Non, il a pas de nom, mon cheval. C'est vrai quand même que les chevaux de Red Dead Redemption, ils sont bien parce qu'ils sont rapides. Oh putain, oh punaise, attendez, je me tais. Ah, je vais crever. Ah là, par exemple, dans ces moments-là, la seule chance de survivre est... le sang-froid la plupart du temps. Oh punaise. Oh punaise. Méchant. Ah, vous savez quoi, la prochaine fois que je trouve des bandits, bah m'amuse à tuer leurs chevaux. Et après, ils vont me courir après, mais à pied. Et là par contre je pense pas trop qu'ils arriveront à me rattraper. Oh venez, je tue leurs chevaux. Attendez juste, essayer de tuer ce cheval-là. Après, je vais aller en prison pour avoir tué un cheval. Non, mais il y a donc quoi. Ouais, mais c'est bon, cool. J'ai rien fait de grave. Non, je déconne. J'ai juste tué des gens, mais c'est pas grave. De toute façon, là, je suis dans une partie où je suis en criminel, alors hein, je m'en fous. On tue des gens, c'est marrant. Ah, par contre, mes vrais ennemis sont... les bandits, c'est pas bien. Ah d'ailleurs, il faudrait quand même que j'utilise un jour mon remède miraculeux parce qu'en fait c'est ce qui permet de... enfin un jour qu'on fait... oui, je me sens bien que c'est le remède miraculeux qui permet de remonter la chose de son froid. Ah zut, je m'étais dit que j'allais tuer les chevaux des bandits. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors là. Ah, par contre, le repère... là, non, il faut que je le mette là. Voilà. Ça, c'est normal. Je suis un justicier, la 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 la. Je tue des innocents et je tue des bandits. Bon, en fait, c'est pas trop être justicier de tuer des innocents. Oh là 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 là. Je vais aller en prison. Hein. Genre, ouais, je fais 15 ans de tôle. Sur PS3, bien sûr. Hein. Lol. Ça crevait. Ah. C'est ouf quand même de faire de la tôle. Dans un jeu, qu'on puisse faire de la tôle, qu'on puisse aller en prison dans un jeu. Genre, imagine, t'as des heures de coach comme au collège, mais dans un jeu aussi. Normal. Attendez. Voilà. Miam. Bon, sérieux. Donc là, je vais donc aller ramener le méchant vilain criminel, le hors-la-loi, tiens donc, au justicier. Hein. Et après, je vais essayer de tuer les justiciers comme au début. Non, je plaisante. Bon, voilà, une donne de l'argent. Et de l'argent. Et qu'est-ce que j'ai gagné? 200 dollars. Ben oui, je suis bête. Non, j'ai 477 dollars. Plim, vivant. Plus 1, honneur, plus 200. Swag. Donc maintenant, c'est reparti mon kiki. Et je vais tenter d'aller voir là où l'endroit que j'avais croisé. Ah, d'ailleurs, le magnifique coucher de soleil. Ça, je trouve franchement que c'est magnifique. Info de mise à jour, tenue de bandito. Je sais pas trop c'est quoi un bandito. C'est un bandit, j'imagine. Oh, oh. Ah, j'ai failli descendre de mon cheval. Moi, ce que j'aime bien, c'est m'amuser à sauter, c'est marrant. Bon, ça, il faudrait peut-être que j'arrête de faire le fou psychopathe malade, là. Et je continue à avancer en espérant trouver l'endroit où j'étais là.
C'était quoi cet endroit là où je devais trouver un shérif à côté d'une caisse ou je sais pas quoi? C'était où? Ah, c'est juste là. Un drôle de type. Ouh là là, c'est un pédophile. Non, j'école, j'école. Il ne faut pas que je dise ça car ceci peut choquer les âmes sensibles. D'accord? Choquer les âmes sensibles! Bon, ça, j'aurais peut-être de faire le psychopathe. Donc, il est là. Ah, ça me fait penser aussi à la mission L'Opium du Peuple. Hein, quand on tue des rebelles, aussi au Mexique. Aidez-moi, Seigneur. Ils s'attaquent tous. Ils saccagent toute la ville. Ce pingo est tué. Oh, veuillez tomber. Je peux t'en dire. Il part trop vite, ces Espagnols, je vous jure. Moi, je connais une astuce. C'est une astuce très pratique. Je jette de la dynamite. Ça permet de tuer plein de gens en même temps. C'est la nouvelle génération. Et il sera jamais mort, ce mec. Et le mec, il a tué sur le hors-la-loi plein de fois. Le mec, il est toujours pas mort. Ensuite, moi, je viens, je lui tire dessus une fois. Toujours vivant. Normal. Oui, c'est normal, tout ça. Et... Attendez, je ferme la porte. Et je rouvre la porte. Voilà. Utilité, je sais. Donc là, je reste là tranquillou, hein. C'est mieux que de foncer dans le tas comme un débile, puisque je n'ai pas de mitraillette. On peut pas faire comme dans les jeux de guerre, comme Call of Duty ou GoldenEye, hein. Donc, faut rester en mode normal. Par contre, la autre porte. Voilà. Souvent, moi, je fais comme ça pour me diriger. C'est mieux. Oui, à Kaleya. Je tue tout le monde, je trouve ça marrant. Oh putain. Oh non. Oh non. Bon, écoutez, apparemment je me suis suicidé, donc j'ai juste fait un petit coupure. Apparemment, en fait, je croyais être en train de viser l'immeuble, mais il y a une vision automatique ou je sais pas quoi, ce qui fait que ça visait juste derrière moi. Donc écoutez, j'ai fait un petit coupure et alors quelques secondes. Salut à tous. Bon, maintenant, un petit avantage. Le temps est meilleur que avant que je crève. Donc, écoutez, c'est parti, mon kiki. Et j'arrêtais pas très doué, hein, dans cette vidéo. Alors, salut, mon copain, ça va bien? C'est Benjo. On a tué tous mes hommes et on a capturé un autre. Ah, jamais t'en dire. Je me saoule, ça. T'es moulu, toi. Il faut jamais nous casser les couilles, Zelda Boy 99 ou Super Game 3000. Pourquoi toi, tu fous quoi là? Arrête de faire ton malin là. Oh, merde. Ah, attendez. Voilà, moulu. Un petit peu dépenser des munitions de sniper pour rien, mais bon, l'avantage avec le sniper de Radio Lanoiselle, ou dois-je dire le fusil précision qui est exactement pareil qu'un sniper, c'est que tu peux avoir jusqu'à 49 balles, je crois, avec. Le fusil de précision de Radiant Ancien qui est comme un sniper. Alors que le vrai sniper, les Call of et tout, peut avoir que une ou deux balles, aucun intérêt, quoi, je trouve. C'est mieux d'en avoir plusieurs en fait. Oh non. Oh non, oh punaise. Oulala, faut mieux pas faire le malin, c'est. Hein. Sinon, on se fait buter direct. Ah, là. C'est vrai quand même que le fusil de précision est assez puissant. Là, je suis un justicier, je vais sauver le monde. Non, j'école. Genre le mec il se prend trop pour Superman là. Attendez, le mec il est sur le point de crever et il fonce dans la gueule du loup. L'intelligence des personnages de jeux vidéo, hein. Même quand on est au point de crever,
ne jamais abandonner jusqu'au point de crever comme une merde. Oh yeah. Ouais. C'est pas des courageux, sont des suicidaires plutôt. Lol. Alors, attendez. Ils sont où les autres? Ils sont où? J'aime les trains. On s'en fout, je pense. Non mais foutu maïf quoi. Là par exemple à ces moments-là aussi quand c'est trop galère, c'est mieux d'utiliser les snipers. Ah je voyais l'épaule un petit peu du mec qui est en train de dépasser quand je disais au sniper, mais bon. Apparemment je l'ai pas cloué. Enfin, j'ai pas cloué quoi en effet. Attendez, faut juste que je me mette à couvert ici. Alors que je suis juste un petit peu sur le point de clever. Attendez, ma dynamite. Ah non putain, pars-toi. Oh putain, c'est bon, je suis pas mort. Si j'étais encore mort comme tout à l'heure, j'arrive mais péter de ses plombs. En fait, vous savez quoi, faut mieux pas que je joue avec la dynamite. Parce que sinon, je risque de crever bêtement pour rien, quoi. Bon. Y'a qui là-bas, là? Ah, c'est mon allié. Il est où l'autre? Ah, que souvent, parfois, il y a des bugs pendant des missions. C'est ça, ça fait en fait que le criminel, enfin d'ailleurs ça existe en solo comme en multijoueur, ça fait que le criminel en fait il est dans une structure, dans un mur ou je sais pas quoi, c'est un bug de texture ou je sais pas quoi, qui fait qu'on ne peut pas l'avoir. J'en ai. Où qu'il est ? Ça y est, je l'ai sauvé. Alléluia! Et j'ai sauvé le gentil. Donc voilà, j'ai réussi une mission et un petit one-tête. Ça peut pas faire de mal. Tessero Azul. Non, Tessero Azul terminé. Avec un accent espagnol et ça fait Tessero Azul. Ou je sais pas quoi. Bon, en vrai, je suis pas très doué en espagnol. Hein. Je faisais juste l'accent pour me la péter en fait. Ah d'ailleurs, je crois que cet endroit-là, c'est une map en partie en bande en multijoueur. Hein. De toute façon, je referai des vidéos multijoueur. J'adore le mode multijoueur. En fait, ce jeu est assez génial, quoi. C'est sûr que si je devais comparer Skyrim à Red Dead Redemption, c'est pas du tout le même type de jeu. Dans Red Dead Redemption, c'est un type de jeu plus agité, en fait. Enfin, je veux dire, dans Skyrim, l'environnement, il est très très calme et tout. Et parfois, enfin, c'est pas que j'aime pas, mais parfois, c'est sûr, c'est pas du tout le même environnement, quoi. Oh, attendez. Je vais juste aller prier. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon, bref, je vais arrêter de faire le con. Parce que c'est vrai souvent que j'ai trop peur, vous voyez, de tirer sur des gens dans des églises. Parce que j'ai pas envie que Dieu me punisse. Bon, bref. J'ai dit n'importe quoi. Oh, un mec ici. Je le tue ou pas? Je lui ai bien fait peur. Attendez, juste avant de le sauver, je vais juste aller ouvrir le coffre. Et après, je vais le sauver. L'argent avant tout. Et les êtres humains, on s'en fout. Non, j'école. Donc, je le détache. Et voilà. Et je le détache. Et après, je vais le religoter. Oh non! Je l'ai frappé. Bon. C'est pas grave. Vous allez bien, monsieur? Vous allez bien? Tout va bien. D'accord. Bon, côté, on va se dire au revoir. Hein, donc, déjà, j'ai dit au revoir au monsieur, donc au revoir monsieur, hein, on se retrouvera dans un autre monde, hein, adieu. Et maintenant, j'ai dit au revoir à vous, mes très chers abonnés. Hein. Au lieu de dire au revoir aux personnages de jeux vidéo, j'aurais dit au revoir d'abord aux personnes qui existent. Alors, je prends mon cheval, et je vais tenter de me mettre devant un beau lever design. Attendez. Pourquoi le radar ne s'affiche plus sur l'écran? Ah, ça c'est un méchant bug ça. Eh mais c'est zarbi ça. Tu sais quoi, je vais tuer le mec. Et maintenant, est-ce que le radar il va apparaître? Mais écoutez, il a pas l'air d'apparaître, c'est assez chelou hein. Vous savez quoi, je vais m'occuper de ça en off, hein, même si ça me stresse pas mal. Pourquoi le radar n'apparaît-il plus?
Ok, le radar n'apparaît plus, écoutez, hein, c'est pas grave. C'est un petit bug, peut-être que j'ai réglé un truc dans les options, ou je sais pas quoi. Y a pas des options quelque part? Options, voilà, parfait. Configuration, mode de visée, contrôle de la caméra, là. Contrôle de monture par rapport au cheval, par rapport à la caméra, non. Vibration avec. Gaucher, non, moi je suis pas gaucher, moi. Commande audio affichage, voilà, parfait. Unité contrôle saturation. Attendez, je regarde juste un icône joueur multijoueur. Afficher la carte. Alors, en fait, c'est le radar qui n'apparaît pas. Donc, c'est quoi, je vais m'occuper de ça en off. Donc, je vais me mettre sur un beau lever design. Bien joli, hein, pour le fun. Voilà, comme as. Alors, je prends la télécommande. Et donc, au revoir et à la prochaine vidéo. Colloterrorista.